en tant que CTE, donc je dois assurer l'interface entre Michelin et Toyota. On a donc découvert la gamme pour la première fois au Castellet. La séance s'est très bien passée. Le premier jour, on a été félicité pour la manière dont les pneus, les produits se sont comportés lors du premier roulage avec une voiture qui physiquement était aussi à découvrir. Avec la simulation, on évite une période qui existait autrefois où on était obligé de proposer une gamme beaucoup plus élargie. Yeah, you learn a lot from the Michelin technicians. We always push them to find different ways, different directions if we're looking for something more from the tires. They're always quick to respond. The difference with the tires is obviously we have to change them a little bit compared to the car we had before with different weight, different power, different downforce, so more demands. But as always, Michelin does a great job. Les premiers essais, c'était début d'année à Vallelunga en Italie. Même pour Michelin, c'est un nouveau challenge. Pourquoi ça? Parce qu'un prototype plus lourd, beaucoup plus lourd. Nous, en l'occurrence, on est aussi qu'en deux roues motrices, donc toute la puissance est sur le train arrière. Il y a beaucoup moins d'appui aérodynamique que dans le passé, donc il a fallu revoir tous les pneus. Avec l'hypercar, on a à la fois fait simultanément le développement de la voiture avec le développement des pneumatiques. On a réduit significativement la quantité de validation sur piste et tout ça, ça permet de gagner à la fois du temps. On a divisé par 2 le temps de développement et comme on a fait beaucoup de choses en virtuel, donc ça a divisé par 4 les coûts de développement. C'est dans l'esprit d'une compétition durable. D'avoir un pneumaticien de la qualité de Michelin qui va équiper une toute nouvelle catégorie. Je trouve ça assez passionnant. Aujourd'hui, on a Toyota et Glicanos et bien sûr Alpine avec ce qu'on appelle la grande fadeur. Mais très bientôt, on va voir arriver l'écurie Peugeot qui va nous rejoindre en hypercar, mais également Ferrari et Audi et Porsche. On espère bien sûr aussi accueillir BMW. C'est un plateau magnifique qui s'annonce dans les prochaines années. L'hypercar est en train de marquer la renaissance de l'endurance. Ce règlement est en train d'attirer beaucoup de marques prestigieuses. Et on se félicite de faire partie de cette aventure.